Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum en jouant Xelor au retrait PA, Ekaflip Feu, Sacrieur R contre Inirib'sa, Steamer SRAM. Et on n'a pas de code puisque j'ai pas colis depuis la reprise, le reset des codes. Allez, c'est parti. Alors, j'ai voulu tenter le mode. Tech. C'est infernal l'affichage là. J'aime pas du tout. On va y aller, je pense, plutôt sur le SRAM. Ouais, bon, je vais repasser en mode tactique non coloré parce que là, la visibilité, elle est affreuse. La map en soi est jolie, mais c'est pas assez lisible en fait. C'est trop problématique. Bon, le SRAM est relativement fragile. Je regarde un peu les modes. Oh, le Steamer est bien tanky. Alors, j'ai pas trop regardé les. Les effets déclenchés, pre-tech. Ok, à part la pre-tech, il n'y a pas grand-chose à noter en face. Bon, j'ai un peu exposé le Xel. Ouais, bon, là, ça bloque la ligne de vue, hein, mais c'est pas très lisible. On va y aller comme ça, full boost. Je vais caler un petit Odora, je pense. Faut que je fasse gaffe au piège du SRAM quand même. Et là, je suis un peu obligé de rester en paquet en vrai. Bon, je vais me caler comme ça vaudra ce que ça vaudra. Tant pis pour les. Si c'est du gros SRAM terre, je vais me faire un peu éclater au funeste. Je vais essayer de mettre le chaton un peu en retrait, qu'ils prennent pas trop cher. Faut que je casse la distance. J'ai fait le choix de garder la crocobure sur le sacri. C'était peut-être un peu ambitieux contre SRAM au Steam, mais je me suis dit bon. Allez, on est là pour jouer. Ok, c'est du SRAM feu. En termes de res feu, j'ai 39, 37 et 41, ça devrait aller. Ok, il va m'embêter avec son comploteur qui va peut-être me mettre en pesanteur, ouais, évidemment. Moi, j'avais pas mis de prémo dit truc comme ça, donc à la limite, c'est pas trop mal. En revanche, je suis pas taclé du tout, donc ça, c'est une bonne news. On va y aller comme ça. Pacte, non, muti. Je vais faire une perfusion sur la team. Et en vrai, je crois que je vais rush. Hein. Tac, mettre un petit coup de crocobure. Déjà, le lapino qui prend une sacrée claque. Si je lui remets la même, il tombe. Ressac, ça doit jouer terre de poux, j'ai l'impression. Peut-être un mode en. Ah, j'allais dire avec les nouveaux modes. Panneau possédé, terre, air de poux, mais avoir les zéros de tacle, je pense que c'est du full terre de poux. Ok, ça va me faire assez cher, mais du coup, j'ai bien fait de mettre la crocobure parce que ça change rien au final, le malus de res que j'ai. Ce que je vais faire. Putain, je vois pas si j'ai la ligne de vue. Non, j'ai pas la ligne de vue, c'est terrible. Je vais go momif. Je vais venir ici, il faudrait que je puisse caler un cadran. Ok, je vais pas pouvoir mettre le cadran. Je pense que je vais full tabasser le SRAM. Non, je vais venir là. À fond sur le Steam plutôt. On se full boost. Et un petit cadran par là. Hop, je bouge juste les pétrifs pour l'instant. C'est le concept. Il n'y a pas beaucoup d'esquives sur le Steam. Il y en a beaucoup sur l'Eni. Il est à 115. Le SRAM 52, c'est ok. Bon, je me prends le mode silence, mais ça devrait aller à peu près. Alors l'Ekaflip va être en retour d'Odora, ça va être un peu pénible pour casser la distance. Je vais voir si je peux aller choper les lignes de vue sur le Steam. Bon, beaucoup de retraits qui passent. J'ai des modes. Enfin j'ai un mode de skiff PA sur l'Ekaflip maintenant. J'ai pu m'acheter mon chien tigré impatience du Wabbit. Donc je peux mettre de l'esquive PA. Là juste sur un ennemi, j'estime que je peux tanker un mode silence et que ça vaut pas la peine de faire des sacrifices dans le mode sur du retrait PA. Enfin sur de l'esquive PA, pardon. Peut-être que je vais m'en vouloir, on va voir. Alors moi je suis un peu taclé quand même, faut que je fasse gaffe parce que j'ai pas d'entrechat. Mais à la limite ce que je peux faire, c'est peut-être aller quand même là et je vais y aller comme ça je pense. Ah puis roulette intel en plus c'est pas dégueu. Je pense que je vais y aller sur le Steam en vrai. J'ai bien envie de taper le SRAM mais ça se fout un vie un SRAM c'est un peu chiant. En termes de soins, bon il y a juste le Sacri qui a pris de la pression pour l'instant, ça se gère tout à fait. Allez Gérode. J'ai la PO de mettre un coup de baguette, donc on va venir coussiner pour casser son ivoire et un petit coup de cac qui devrait faire quelques dégâts. Ok, no crit, dommage.
On va avancer avec le chaton, je peux rien soigner. J'ai voulu le laisser à distance pour être sûr que je me le fasse pas clean avec des pièges. Mais ça, c'est ok. Alors le SRAM, il a un gros potentiel. En plus, il a du vol d'intel sur mon EK, ça peut être assez embêtant. Voilà. J'ai des raises 37% qui sont correctes. Alors le problème, c'est que... Oula, ça tabasse. Je vais peut-être devoir lâcher un sacrifice. En vrai, si je peux aller choper une zone là, ça peut m'arranger. À voir comment il se place. Je crois que je sais ce que je vais faire. Ah non, j'ai pas les PM. Bon, bah, je vais juste projection. Je vais sacrifier les K. Pas le Xel, mais hop. Je vais y aller comme ça. Un petit pacte pour se sécuriser. La crocobure qui pète l'ivoire. J'aurais pu m'arranger pour prendre une zone tactique, mais voilà, là j'attends qu'elle soit montée niveau 3. Ok, il défonce les KO de poux malgré le sacrifice. J'aurais peut-être dû faire un transfert de vie parce que là ça peut vite devenir très compliqué pour moi. Alors heureusement il a pas énormément de PA, mais. Les K prend très très cher, hein. Ça peut vite devenir dangereux. Il a longue vue. Ok. Je vais y aller comme ça. Comme ça, là, je me prends mon stack ébène. J'ai bien envie de ramener le cadran, mais ouais, je vais faire ça. Et je vais venir casser un potentiel vulbis sur le SRAM, parce que ça peut me faire trop mal. Voilà, il prend encore du retrait. Bon, c'est pas hyper intelligent de mettre du retrait sur un perso qui est en... Bon, là, il y a l'érosion, heureusement. Sur un perso en deux poux, parce que les persos deux poux, ils ont un peu la particularité de pouvoir mettre beaucoup de dégâts pour peu de PA. Va falloir que je me range pour prendre des zones avec le tacti. Donc, ok, il me debuff. Ok, ça joue variante debuff sur Lenny. Très agressif en face. Ce serait bien que je puisse ouais, clear le chalutier avec. Si je peux m'arranger pour caler une poussée ici, bah non, ça va être compliqué. Je pourrais pousser le steam et y aller à la langue râpeuse, mais là il faut quand même que je me sécurise un peu mon EK. Je pense que je vais y aller comme ça, je vais tout ou rien. Je vais me bonne étoile. Ah, j'ai pas de crit, hein. J'ai pas beaucoup de réussite. En vrai, je vais me contre-coup. Et le perception, j'ai réussi à finir, yes. Hop, perception assez rentable là. Mais du coup, je sors de la portée du chaton, donc en fait, c'était peut-être pas un si bon move que ça. Petit misplay, je pense qu'on peut dire. J'aimerais beaucoup m'arranger pour caler une zone sur Steamer et Tactirel. On va voir comment. Ah! Bon bah j'ai bien fait de garder la transpo. La transpo va me permettre de revenir avec un faible coup. Je peux transpo Lenny, ça le mettrait un peu outmap, ce serait peut-être pas trop mal. Là il tape le Xel, ok donc il disperse un peu le focus. La brume qui est un peu pénible, j'ai un Lenny ici. Hein. Encore sur le Xel, pour l'instant c'est gérable. En vrai est-ce que je... Oh j'ai pas pris le Berserk! Ça c'est assez terrible. Transpo cadran, je pense que je vais y aller comme ça. Ou après, sinon, je peux transpo les cas. Quel cas je le sécurise. Mais non, je pense que je vais y venir ici. Transpo cadran, tac, tac. Voilà, c'est exactement ça que je disais.
et un transfert de vie. Et là, ah, je claire pas la tacti, j'aurais peut-être pu mettre un coup de plus sur la tacti Tyrell, ouais. Je voulais, c'est bien la zone que je voulais prendre, je pensais avoir un peu plus de rocks. J'aurais pu, alors après si j'avais mis l'assaut sur la tacti, ça l'aurait tué, mais du coup le steamer aurait pas pris les dommages de la crocobure. Et j'aurais pas pris l'émeraude, mais je pense que ça aurait été quand même plus rentable de clear l'attaque Tyrell. Là, il peut la soigner. Ça peut me mettre un peu au fond. Enfin, le gameplay brume, j'ai horreur de ça. Je vais peut-être en profiter pour clear un peu ses invoques. Faut que je fasse gaffe parce que le Xel peut tomber. Faudrait que je ramène le cadran. Ouais, je prends cher là. Ok. Le cadran il revient normalement. D'accord. En vrai, je vais 25ème heure. Momif. Ce qu'on a après, là, on a de la pétrif qui est pas dégueu. Je vais les garder stack. Hein. J'aurais presque envie d'aller en caler une sur le SRAM en vrai. Mais il vaut mieux que je me barre un peu, je pense. Je vais venir là. Alors après faut que je fasse gaffe, il peut peut-être venir prendre une zone en nettoyant le cadran, mais bon. Là du coup je vais un peu partir sur un focus team par la force des choses, c'était pas forcément le meilleur call parce que c'est un peu le plus solide. Je devrais peut-être plutôt y aller sur le SRAM, je pensais qu'il jouait un vie, mais comme il joue brume en vrai. Parce que là ça me soigne beaucoup. J'aurais dû... Ouais, je suis pas sûr que là mes choix soient très très bons sur ce combat. Il fait un peu ce qu'il veut, le monsieur. J'ai plus mon contre-coup. Je vais clear son lapin, je pense. Ça lui fera des PA en moins, ça sera pas mal. Je peux peut-être faire un tour full soin, là. Ou alors je ligne le SRAM. Mais il faut que je puisse m'occuper du Xel. Si je ligne le SRAM... Après, c'est le SRAM qui joue. Le Xel est relativement sécure, en vrai. Bon, je vais y aller sur le SRAM. Et advienne que pourra. On va éroder. J'aimerais bien avoir un peu de crit, si c'est pas trop demandé. J'aurais bien aimé pouvoir caler une bonne étoile sur le Xel, mais... En vrai, je peux lui mettre une perception sur la ligne de vue, c'est pas énorme. J'avais pas les PM hein, pour lui caler proprement une bonne étoile. Au moins, je peux le soigner avec le chaton, c'est déjà ça. Alors le SRAM là il a pris un sacré taquet, ça remet les choses à leur place, c'est sûr que c'est mieux de focus à un moins 51 récri 32% res que 149 récri avec 50% res R. Alors là évidemment c'est la fête dans l'onglif. Je vais peut-être profiter pour faire un tour avec le sacré, reset DCD, perfusion, clear de ses invoques, là il faut absolument que je clear. La tactile je peux clear le lapin avec en vrai. Un transfert de vie, le Xel ça devrait à peu près aller, je peux lui refaire une perf. Bon le cadran c'est un peu relou. Mais je pense que je vais faire ça en vrai. Tac. Je vais faire une épée, si j'y arrive. Une perfusion. Un transfert de vie. Ils ont changé le pictogramme d'assaut, ça me perturbe un peu. Je vais faire un supplice et je vais rester là. Donc, il y a quelqu'un ici. C'est Lenny. Lenny est là. Oh, j'aurais pu remettre un coup dans le vide, my bad. J'ai pas fini le tour de l'épée, c'était un petit misplay. Lenny est ici. Bon, c'est pas lui que je focus, le SRAM doit plutôt être au fond du glyphe. Pour l'instant, je gère à peu près les dégâts à l'héros, c'est surtout le sacré qui prend, mais bon, le sacré c'est un sacré, donc ça devrait aller. Alors là, je peux peut-être faire un paradoxe, enfin un cadran paradoxe pour les sortir du glyphe. Ça peut être un plan. Ok, là il me fait un petit combo avec cette acti. Ça risque de piquer un peu. Ah, 1600. Ah, les deux poules, là c'est un peu problématique quand même ce que je me prends. Normalement, il est toujours là, lui. Hein. Je vais y aller comme ça.
Je continue à placer des petits dégâts sur Eleni en vrai, il se prend les ébènes à la chaîne là. Je me mets en fait dans des cas de figure où je peux me permettre de lâcher du all-in au bout d'un moment. Ça peut devenir intéressant mais... Enfin, la brume ça carry tellement, bon, normalement ça dégage autour du SRAM. Hein. Ah non, c'est encore deux tours! Ah ouais! Eh, ça va être embêtant ça. Ah, je pensais que c'était plus qu'un tour. Il me surprend toujours ce sort par sa puissance. Ok, donc je vais rebonne étoile le Xel. On va partir en mode full sauvetage Xel. Quoique, est-ce que je me ferai pas une roue de la fortune? Alors, il faut absolument que je le soigne, sinon je suis dans la sauce. On va éviter de se tromper de sort accessoirement. Je vais y aller comme ça. Et je pense que je vais lâcher un gros tour rien sur tout le monde. Il y a quelqu'un ici. Le lapin. Non, le chaton. Chaton qui carry bien là. Ok. Ah, donc c'était pas deux tours la brume. Bah, c'était affiché deux tours dans les buffs. Je me disais bien que c'était bizarre. Je crois que je me suis placé en zone pour ses dégâts par contre. Après, bon, s'il tape le sacré, en vrai, je m'en fous. Ça me booste mes dégâts. C'est pas du tout un problème. Ça me met pas en danger. J'ai encore 5400 PV, 600 points de bouclier. Je devrais être ok. Mais c'est bien ça. Hein. C'est une zone comme ça. Ah, il peut la lancer sur une case. Non. Qu'est-ce que c'est que cette zone de lancer? Oula, faudrait que je regarde ça. Dans ma mémoire, ça faisait pas exactement ça. Bon, c'est le Xel qui s'est pris un all-in, sans surprise. J'ai encore un CD pour le sacrifice. Là, je vais pouvoir prendre de la zone. Est-ce que j'ai besoin de le sécure en vrai? En vrai, je pense qu'il est à peu près ok, le Xel. Ah, je vais quand même lui mettre un transfert de vie pour la forme. Je peux prendre les deux persos là. Regardez, je peux faire transfert de vie. Je viens là. Afflux. Double désolation en zone. Casse l'ivoire. Hop. En fait, je suis parti sur une espèce de focus multi-cible un peu chelou. Mais c'est pas dégueu du tout. Le focus est archi dispersé, mais ça peut presque le mettre au fond. Je vais venir là pour essayer de protéger le Xel en termes de ligne de vue sans donner des deux poufries dessus. Il y a 10 PA sur le Steam, il vient de claquer sa tactique en surcharge. Je pense que le Xel devrait être ok. Ok, il ramène le SRAM. Moi, j'ai réussi à maintenir mes pétrifs là à 2 PA malgré la brume. Ça, c'était vraiment une bonne gestion de ma part à ce niveau-là. Ça va me permettre d'avoir beaucoup d'impact là. En plus, il m'a donné... Oh, bah parfait, il me libère la ligne. Là, j'ai un petit sablier sympathique. J'ai presque envie de lâcher un rollback, mais en vrai, je vais y aller à fond sur Lenny. Je peux lui lâcher horloge. Normalement là ça fait un téléfrag, non? Ouais, on est d'accord. C'est les bugs d'affichage, hein. C'est rien, c'est Dofus. Ok, je vais me barrer un peu. 69 PV Lenny, ça c'est un peu sad. Est-ce que j'aurais pu mettre plus de rocks? Oui, j'aurais pu mettre le sablier de Xelor en moins et lui faire un ralentissement de plus, je vais passer le kill. Ça c'est un misplay de ma part, j'avais le kill là. Alors après, normalement, il a pas de mode de reconce, hein. Il joue en solidarité, donc normalement, il va tomber, mais j'aurais pu le finir avec mon Xelor, là, si j'avais un petit peu mieux. J'ai tendance à sous-estimer mes dégâts, comme j'ai pas un mode hyper offensif, mais c'est vrai, quand les pétrifs sont stack, on peut lâcher des gros tours de DPS, en fait, qui sont assez intéressants. Et là, j'ai presque envie, en fait, de laisser Lenny vivre sa life et de l'une le SRAM. C'est pas du tout... Ah bah, malheureusement, je suis pas boosté. Je me suis fait un peu brain. Est-ce que je peux passer un kill sur le SRAM? Je me suis fait brain comme j'ai vu brume de tour, je me suis dit je vais pas me rouler de la fortune, mais en fait j'aurais peut-être dû. Mais en vrai là je fais tech. C'est sad, mais comme c'est un Stram, il a pas trop d'outils de sustain, donc ça ne dérange pas de pas refiner Lenny, hein, je vais le finir juste après, c'est pas du tout un souci. On va soigner l'épée, je vais me placer pour pouvoir prendre le soin de la gardienne sur le Xel si j'ai besoin.
J'aurais pu finir le Lenny hein, sans problème, mais a priori il ne rejouera pas, donc ça devrait être fine. Est-ce que j'aurais pu mieux optimiser le tour? J'aurais pu avoir quelques tromperies. J'aurais peut-être dû plus partir en mono-cible avec entre chat et mettre des coups de cac. Et essayer, espérer choper des tromperies feu. Ça m'aurait peut-être permis de passer le kill. Ça aurait probablement été mieux d'ailleurs, mais... Alors là, moi, je vais venir faire... Genre, ça passe pas, sérieux. Je suis abattu. Je vais y aller comme ça. Petit sacrifice sur les 4, tant qu'à faire. On vient prendre Crocobure Émeraude. L'épée qui met des petites claques par-ci par-là. Ok. Bon, est-ce que je peux perdre un perso là? Je peux perdre l'écart en deux poux, c'est le seul danger. Oh, il y a moyen qu'il passe en vrai. J'aurais peut-être dû transfert de vie plutôt que sacrifice. J'aurais espéré finir Lenny avec un peu moins de PA, mais j'ai sorti des jets un peu rincés. Là, je crois que je perds l'écart. Hein. Ouais. Bon, je perds l'écart, mais d'un autre côté, il n'y a plus de SRAM, donc voyons le bon côté des choses. C'est un peu triste. M'embête un peu ce SRAM avec son placement là. Je vais aller comme ça. Continue à booster les pétrifs. On place le cadran pour le boost en zone. Et bah c'est pas mal hein. Bon, c'était la reprise du PVP pour moi, ça faisait un bon moment que j'avais pas joué, donc pas 100% clean sur absolument tout ce que j'ai fait, mais j'ai quand même eu globalement une bonne gestion du combat. C'était pas mal. Ah, j'ai pas vu de misclick de leur part particulier, à revoir peut-être. Ça me fait bizarre, je suis reparti à zéro de cote. J'arrivais vers combien, 4800 avant, ça commençait à devenir sympa, 4900. Bon bah on va remonter du coup, hein. C'était quand même un combat intéressant, malgré le fait que je reparte à cote réinitialisée. Voilà les amis, j'espère que ce petit combat de Coliseum vous a plu, si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.